Sarah Ferguson a discuté de la partie la plus importante du maintien de bonnes relations familiales, avec un message clair au prince Harry et à Meghan Markle, a-t-on affirmé. Sarah Ferguson a parlé de l'importance de se soutenir mutuellement au Festival de Cannes la semaine dernière. Un expert royal affirme que c'est un signal subtil adressé au duc et à la duchesse de Sussex. Sarah, qui était auparavant mariée au prince Andrew, a déclaré que le « pardon » est l'élément le plus important du maintien des relations familiales. Dans ce qui a été qualifié de message clair adressé au prince Harry et à Meghan Markle au milieu de leur querelle royale en cours, l'homme de 64 ans a déclaré « Je pense que l'unité familiale est la clé. Je pense que la clé de la vie est que nous nous soutenons tous. » Autre. Et aussi le pardon est une bonne chose. Je pense au pardon de soi-même et au pardon des autres. Les commentaires de Sarah sont intervenus après qu'on lui ait demandé si elle soutenait le roi Charles et la princesse Kate après leur diagnostic de cancer. Sarah, qui est la mère des princesses Béatrice et Eugénie, a récemment suivi un traitement pour un cancer du sein et un cancer de la peau au cours de l'année écoulée. S'adressant au Mirror, l'expert royal Tom Quinn a déclaré que le commentaire de pardon de Sarah était une référence claire au milieu de la querelle en cours. Il a déclaré à la publication, c'était une référence claire à la querelle en cours entre Meghan et Harry avec le prince William et le roi Charles. Mais la duchesse of York doit faire face à ses propres difficultés familiales très médiatisées, elle n'a jamais cessé d'essayer de persuader les membres de la famille royale de réhabiliter son ancien mari, le prince Andrew, et lorsqu'elle parlait d'unité et de besoin de pardon, elle pensait sans doute aussi à son mari.